Hey toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo luxe. C'est la première de toute l'année 2023. Pourtant, c'est les vidéos que je préfère faire. Mais j'avoue que cette année, YouTube, j'ai vraiment pas été régulière. Je suis beaucoup plus sur Instagram, je m'éclate plus sur Instagram. Le contenu que je poste sur Instagram me ressemble beaucoup plus. Mais voilà, j'ai décidé de reprendre un petit peu ma chaîne YouTube en main parce que c'est quand même là que j'ai commencé. Donc, je vais reprendre les vidéos qui me plaisent. Et comme les vidéos luxe sont les vidéos qui me plaisent le plus, c'est parti. Mais avant tout, j'ai une petite annonce à faire. Alors, cette vidéo est en collaboration avec Inoya. Inoya, c'est une jolie marque qui propose des produits adaptés aux peaux noires et métissées. Leurs produits sont vraiment efficaces pour avoir une belle peau saine et lumineuse. Et ce que j'aime chez cette marque, c'est que vraiment, ils ont à cœur les problématiques des peaux noires et métissées, tout ce qui est taches pigmentaires, etc. Ils te proposent une gamme de produits qui vont vraiment t'aider à cibler et à te débarrasser de ces problématiques. Bref, donc Inoya est enfin disponible chez Monoprix. Bon, mais bravo Inoya. Je répète, Inoya est enfin disponible chez Monoprix. Je suis beaucoup trop contente parce que c'est des produits qui sont adaptés aux peaux noires et métissées et ils sont disponibles en grande surface. Donc, je compte sur vous pour soutenir un maximum pour que justement, il y ait encore plus de produits adaptés à nos besoins en grande surface. Bravo Inoya, il faut les soutenir, il faut que tu te rendes au Monoprix le plus proche de chez toi, que tu achètes un produit Inoya, que tu te prennes en photo, que tu relayes l'information, parce que c'est seulement comme ça qu'on pourra faire bouger les choses et pouvoir retrouver d'autres marques comme ça, adaptées à nos besoins en grande surface. C'est hyper important ce qui se passe là. Écoutez-moi bien, c'est hyper important et je compte sur vous. Je compte sur vous. Oh, et j'ai peut-être oublié de vous mentionner ça, mais Inoya, c'est une black-owned business. Je pose ça là, comme ça. Bon, mais commençons ce haul avec les Chanel Slingback. Donc, la petite histoire, c'est que je me suis rendue en boutique pour acheter les ballerines Chanel, qui étaient sur ma wishlist depuis super longtemps. Je les voulais tellement. Et en fait, en arrivant en boutique, il n'y avait plus ma taille. Il n'y avait plus ma taille dans la couleur qui me plaisait. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer les slingbacks. Parce que les slingbacks étaient aussi sur ma wishlist. Mais voilà, je ne comptais pas les acheter dans l'immédiat. Sauf que quand j'ai essayé la paire, c'est devenu une évidence. Elles sont ultra confortables. Elles font des pieds fins. Elles sont juste hyper chic et intemporelles. Franchement, ça fait un mois que je les ai et je les porte assez souvent. Rien à signaler pour le moment. Elles sont parfaite. Ok, ensuite, j'ai acheté des lunettes Chanel. Ok, I am a Chanel girl. Franchement, la majorité des articles de luxe que je possède, genre sacs, accessoires, tout, presque tout est de la marque Chanel. C'est l'une de mes marques préférées, si t'avais pas remarqué. Bref, donc j'étais en quête d'une paire de lunettes pour cet été. Alors, j'en ai essayé pas mal, mais il n'y avait rien qui me plaisait réellement. Et puis, j'ai vu cette paire Chanel et pour moi, c'est la paire de lunettes par excellence. La monture est noire avec les détails dorés sur le côté. Elle claque, vraiment, elle claque. Le fait que les lunettes soient oversize, ça rapporte un petit côté mode, chic. J'aime trop. Elles existent aussi avec le détail sur le côté en perles. J'ai hésité entre les deux modèles. J'ai hésité entre le doré et le modèle avec les perles. Mais disons que j'ai préféré miser sur la sécurité. Les perles, c'est intemporel, effectivement. Mais déjà, c'est fragile. Ensuite, je pourrais m'en lasser. Donc, je me dis noir et doré, c'est la valeur sûre. Après les lunettes Chanel, j'ai acheté la ceinture Kelly de chez Hermès. Cette ceinture était introuvable. Introuvable, c'était trop dur à avoir. Cette fameuse ceinture, la Kelly de chez Hermès, pour moi, c'est la ceinture parfaite. C'est-à-dire qu'elle est simple, sans logo. Au niveau du design, c'est minimaliste, c'est chic. La qualité du... Est-ce qu'on peut parler de la qualité du cuir? La qualité du cuir est exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est simple, je ne voulais que cette ceinture et je commençais à désespérer parce que je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Ni en boutique, ni sur Internet. Elle était introuvable. Bon, si, elle était trouvable sur Internet, mais c'était vraiment un prix exorbitant. Moi, je voulais l'acheter en boutique... au prix de la boutique, quoi. Pas à l'acheter beaucoup plus cher, je vois pas l'intérêt, mais franchement, j'étais à deux doigts de le faire tellement je commençais à désespérer, quoi. J'étais dégoûtée parce qu'à chaque fois que je m'habillais, je me disais, comment ma tenue, elle serait incroyable avec cette ceinture. J'ai de faux problèmes, je sais, je réalise que j'ai de faux problèmes, mais vraiment, cette ceinture, c'était mon goal.
tout le monde savait que je voulais cette ceinture. Et même, parfois, tu vas me dire, viens, on va boire un café. Si je sais qu'il y a une boutique Hermès à côté, je vais te tirer avec moi à la boutique Hermès pour aller demander s'ils ont la ceinture. J'étais dans ce mood-là, vraiment. Tellement je la voulais, j'ai soudé tout mon entourage avec. Bref, un jour, ma chance a tourné, j'ai appelé Hermès et je suis tombée sur le standard. En fait, quand tu appelles n'importe quelle boutique Hermès de Paris, Saint-Honoré, Georges V, Sèvres, tu tombes sur le standard Hermès. Et là, je tombe sur un très gentil monsieur à qui j'explique que je cherche ma ceinture Kelly et tout ça. Et là, il me dit, il regarde, il recherche et tout, il me dit, écoutez... courez. Attends. J'ai menti. Je viens de réaliser que j'ai menti. Le conseiller que j'ai au téléphone, il me dit pas courez. C'est Hermès. Et en plus, les conversations sont enregistrées. Il m'a pas dit courez. Il m'a dit allez au plus vite. Ça y est, je me souviens. Il m'a dit allez au plus vite. Et moi, traduction dans ma tête, c'est run. Cours. Donc bref, il me dit allez au plus vite à la boutique du Faubourg Saint-Honoré parce que je vois qu'ils ont pas mal de ceintures Kelly noires avec la boucle dorée comme vous voulez, disponible et tout. Au moment où j'ai le conseiller au téléphone et qui me dit que la ceinture est disponible au Faubourg Saint-Honoré et qu'il faut y aller au plus vite, il est 17h30. La boutique est ferme à 18h30 et il pleuvait. Vous savez, bon, vous n'êtes pas toutes parisiennes, mais il y a eu un moment à Paris où il pleuvait, mais c'était fort, quoi. C'était des torrents, il pleuvait des cordes. Mais il fallait nous voir. J'étais avec mon frère, Roman. Il fallait nous voir comment on était en train de courir dans Paris pour aller au Faubourg Saint-Honoré, sous la pluie. Donc, on a couru sous la pluie et tout ça. On arrive et c'était blindé. Il y avait énormément de monde et il fallait se mettre sur liste d'attente et attendre qu'un conseiller vienne pour nous aider à choisir ce qu'on voulait, nous aider à trouver l'article qu'on souhaite. Et en fait, juste en face de moi, je vois une dame qui est avec une conseillère et la conseillère lui sort la ceinture que je cherche. Elle lui sort le Graal. La tantie essaie. Elle essaie la ceinture. Elle prend la ceinture, elle essaie. Mais elle n'est pas trop convaincue, elle hésite et tout ça. Elle décide de ne pas la prendre, elle prend l'autre ceinture H et tout. Le soulagement. Et là, je me dis, vite, faut vite que ma conseillère, elle arrive. Comme ça, moi, je prends la ceinture parce que là, s'il y a d'autres personnes qui passent avant moi et tout, c'est mort. Je n'aurai pas la ceinture. Moi, je suis là, je suis en pleine réflexion. Je fixe la ceinture que la conseillère est en train de ranger et tout. Et là, sortie de nulle part, je vous jure, elle a pop de nulle part. Il y a une fille qui arrive. Elle va voir la conseillère qui est en train de ranger la ceinture et elle lui dit en anglais, oui alors nous on est venu pour cette ceinture, on est en train d'attendre, mais finalement je la vois ici et votre cliente l'a pas pris, est-ce que c'est possible que moi je la prenne? Voilà, je la prends tout de suite, je l'achète tout de suite et tout. Il y a Roman à côté de moi. Avec Roman, on se regarde comme ça. On est choqués. On se regarde tous les deux comme ça, on est choqués. Je suis à deux doigts de me lever, c'est vraiment, j'étais comme ça. Et là, j'entends la vendeuse qui lui dit « Ah non, c'est pas possible. Va falloir attendre votre tour sur la liste d'attente. Va falloir attendre qu'un conseiller vienne vous voir pour qu'ensuite vous puissiez acheter la ceinture si elle est disponible. Parce que bah, on est sur un principe de liste d'attente. Il y a sûrement des personnes avant vous qui veulent la ceinture. Donc, va falloir attendre votre tour. » Moi, j'étais soulagée. Parce que franchement, j'allais me lever si elle lui donnait. J'allais me lever pour dire « Je suis là depuis tout à l'heure. Je regarde la ceinture depuis tout à l'heure et je suis intéressée depuis tout à l'heure. » J'aurais peut-être pas fait ça parce que je me gêne beaucoup. Hein. Mais pour cette ceinture, peut-être que je l'aurais fait. Je la voulais tellement, les gens. Vous imaginez pas à quel point je la voulais. C'est la seule ceinture que je veux. Je me vois pas acheter une autre ceinture, par exemple, pour vous dire. Je me vois pas porter ou acheter une autre ceinture que celle-ci. C'est vraiment la seule ceinture que je veux. Donc, elle allait pas pouvoir passer devant moi comme ça, me gruger comme ça. Non, j'étais trop déterre, j'étais trop énervée. Surtout, façon, la pluie m'avait giflé sur tout le trajet, là. Non, j'étais trop, trop déterre. Donc, bref. On attend un petit peu et là, il y a une conseillère qui vient me voir. Elle me dit, bon, voilà, je suis votre conseillère. Qu'est-ce que vous souhaitez? Donc, du coup, je lui décris la ceinture. Je lui dis, je veux la ceinture Kelly en cuir Epsom en noir avec la bijouterie dorée. Elle me regarde et me dit, ah, je vous avoue que c'est très difficile à avoir comme ceinture. Je ne pense pas qu'on l'ait. Et je ne sais pas pourquoi. Je lui dis, écoutez, vous l'avez. Je l'ai vue. Mon frère qui me... En fait, mon frère, il était tellement dépassé. Il me regardait, il me faisait des petits, parce qu'il était à côté de moi, il me faisait des petits trucs sur le côté, en fait, genre, calme-toi, détends-toi. Bref, donc, elle me dit, ça va être très difficile à avoir, et moi, je lui dis, écoutez, j'ai vu la ceinture,
Je sais où elle est, je peux même vous dire où elle est. Elle me dit, ah bon, je lui dis oui, dans cette armoire, troisième étage. Elle m'a regardée en mode, mais c'est quoi cette folle? Elle m'a regardée, mais avec un petit sourire dans le coin, un petit peu amusée, elle m'a regardée en mode, mais c'est qui cette meuf? Elle sort d'où? Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail de Pauline qui me disait bah, « Écoute Yasmine, on aime beaucoup ton contenu, on aimerait t'offrir un sac, lequel est-ce que tu aimerais ?» Et j'ai choisi le numéro 9. Déjà parce que le chiffre 9, c'est mon chiffre préféré, et ensuite parce que ce sac-là en précis, il est sur ma wishlist depuis super longtemps, je le voulais. J'ai hésité au niveau de la couleur, j'ai failli le prendre en blanc, mais voilà, j'ai décidé de partir pour la couleur camel, qui est la couleur iconique de la maison Pauline. J'ai été bluffée par le cuir. Le cuir du sac est sublime. Pour ce prix-là, vraiment, c'est un luxe. Et Pauline m'a fait une petite surprise, c'est qu'ils m'ont offert la version miniature du sac que j'ai choisi. C'est trop mignon, j'ai trop hâte de faire mes meilleurs looks avec ces deux sacs. Merci Pauline. Ça y est, j'ai fini avec les accessoires, passons maintenant aux vêtements. Il y a cette robe qui est de la marque Sleeper. Je l'ai achetée sur le site de 24S parce que Sleeper, il livre en France. Mais il y a des frais de douane et tout ça et ça revient super cher, sachant que la robe, elle n'est pas donnée. Hein. Donc de base, elle était à 295 euros. Mais il y avait moins 30% dessus, enfin bref, je l'ai eu à 205 euros, ça reste quand même un prix, hein. Mais si vous pouviez voir la qualité du lin, la qualité du tissu est juste exceptionnelle. Et la couleur, c'est du bleu marine, donc cette couleur bleu marine, c'est une couleur qui est tellement chic et franchement cette couleur sur ma peau, Alors, je l'ai pris en taille S parce que c'était la seule taille qui restait, mais par rapport à ma poitrine, honnêtement, si jamais je reprends cette robe, je la prendrai en taille M. Pour qu'il y ait un peu plus de place en fait pour ma poitrine. Cette robe se porte de deux façons différentes grâce aux manches. Pareil, c'est une très jolie pièce que je compte porter très très longtemps. Et enfin, en dernier, les vêtements que je vais te présenter sont de la marque House of CB. Ça fait des années que je vous parle de cette marque. Je me souviens, il y a deux, trois ans, j'avais fait un haul de mes robes ou de mes vêtements d'été. Et la majorité des vêtements que je vous ai présentés étaient de la marque House of CB. C'est une marque dont je vous parle depuis si longtemps, c'est ma marque préférée je crois. Je suis jamais déçue des choses que j'achète sur House of CB, la qualité est exceptionnelle, les tissus et tout ça sont vraiment bien réfléchis, je trouve que ça, les vêtements ont vraiment une manière d'épouser le corps et de flatter le corps, c'est impressionnant. Elle va te faire des robes bustiers et le bustier va tellement te rehausser la poitrine. Vraiment, on va avoir l'impression que tu viens de refaire faire tes seins, quoi. Moi, j'ai eu plein de questions de personnes qui me disaient « Mais Yasmine, comment tu fais pour ta poitrine et tout ?» C'est simple, j'ai de bons soutiens-gorge et ensuite, je privilégie ce genre de marque et ce genre de vêtements où, voilà, ça va flatter ma silhouette, ça va, sans avoir besoin d'en faire trop à côté, mettre des shapers et tout. Il fait chaud, s'il vous plaît. J'ai des amis qui achètent des robes et qui mettent des espèces de gaines en dessous et tout. 32 degrés, moi, je peux pas. J'ai besoin que la robe en elle-même, elle soit gainante et liftante pour la poitrine. Et je peux pas mettre une gaine en dessous et tout. En hiver encore, ok, mais en été, je peux pas. Je ne peux pas. Il fait trop chaud. J'aime trop cette marque. Je l'aime trop, cette marque. D'ailleurs, ils me calculent pas. Hein. Ça fait des années que j'achète chez eux et tout ça. Mais jamais, ils me disent « Oh, Yasmine, on aime beaucoup ce que tu fais. » Est-ce que tu voudrais collaborer avec nous ou est-ce que tu voudrais choisir quelques robes gratuitement sur notre site internet? Non! Avec toute la pub que je leur fais, ils ne calculent pas. C'est comme ça. Je suis habituée, hein, de toute façon, en tant que créatrice de contenu noir en France. Je suis habituée. Donc, chez House of CB, j'ai pris cet ensemble blanc. C'est frais, c'est simple. Par contre, la jupe, elle est hyper courte. Faut vraiment l'assumer.
Ensuite, j'ai pris cette robe bustier. Les mailles sont hyper épaisses et hyper qualitatif. Vraiment, on dirait que c'est une robe de très très grande marque. Bon, ça a quand même coûté, je crois, 200 euros. Hein, 196, 200 euros, c'est le prix des robes House of CB. La robe, elle est gainante. Elle vient gainer le ventre. Ça aplatit le ventre. Ça dessine la silhouette. Ça fait une petite silhouette de sirène et tout. Voilà, quand je vous disais les robes House of CB, il n'y a pas besoin de mettre une gaine en dessous et tout. C'est le cas, tout en un. Qui a le temps de mettre une gaine quand tu as une robe qui fait déjà tout, hein? Ah oui, j'ai aussi pris une petite robe comme ça qui est très légère, très fluide. Attends, mais elle n'est pas trop mignonne. C'est vraiment, voilà, simple et efficace. Voilà, on arrive à la fin de ce haul. Écoute, là, aujourd'hui, au moment même où je te parle, j'ai déjà commandé de nouveaux vêtements qui vont arriver d'ici peu. Normalement, ils devraient arriver cette semaine parce que là, je filme, on est lundi 26. Je pense que d'ici mercredi, ils vont arriver. Si j'ai le temps, j'inclurai ces nouveaux vêtements là-dessus. Sinon, je ferai une nouvelle vidéo où je partagerai mes nouveautés. Mais voilà, j'ai commandé un ensemble chez Sleeper. J'ai commandé trois robes chez House of CB. Et les robes là sont lourdes. Elles sont... Vous n'êtes pas prêtes. Vous n'êtes pas prêtes tellement elles sont... Mais toujours dans le chic et dans l'intemporel, dans le romantique un peu fleuri. Tu connais ma vibe. N'hésite pas à me dire en bas en commentaire lequel des articles que je vous ai présentés aujourd'hui t'a le plus plu. Et voilà. N'hésite pas aussi à partager avec moi tes derniers achats. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Mouah.